on se retrouve pour un nouveau tirage au choix où on va voir comment vous pouvez guérir la situation, une situation qui peut vraiment être de n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau amical, social, sentimental, au niveau de la santé, au niveau de l'argent, de la matière, au niveau de la famille, vraiment, qu'importe. On va aller voir ensemble quels sont les meilleurs conseils que vous puissiez avoir ici par rapport à votre situation, les prises de conscience, les déblocages, les révélations, les possibilités, voilà, de guérison, d'action pour vous, pour que vous puissiez vraiment évoluer et avancer de façon positive par rapport à votre situation. Donc je vais vous aider à choisir entre ces trois tas et on ira aussi compléter avec le tarot. Pour savoir les jeux que j'utilise, c'est dans la description de la vidéo. Pour avoir toutes les informations relatives à ce que je propose, c'est dans la description de la vidéo toujours. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est by Mathilda. Et donc maintenant, je vais vous aider à choisir entre ces trois tas où j'ai disposé en fait des cartes avec des cristaux. Donc on va voir ça ensemble. Donc pour le premier choix, on a la labradorite qui nous parle donc d'intuition, de créativité et d'éveil. Ça c'est pour le choix numéro 1 pour savoir comment guérir la situation. Pour le choix numéro 2, on a l'aigle marine, courage, calme et fluidité. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, on a l'œil de tigre, protection, prospérité et équilibre. Voilà. Donc je vous laisse les amis choisir entre ces trois choix. Méditez sur ça, vous posez calmement, vous coupez un peu du brouhaha, du mental et de l'ego pour accueillir vraiment les messages du cœur. Donc c'est parti les amis, on commence avec la labradorite. Alors let's go les amis, pour ceux qui ont choisi donc la labradorite, on y va pour voir quels sont les messages par rapport à votre situation. Donc on va laisser ça pour l'instant de côté. On va juste demander ici quels sont les messages déjà de votre ange gardien. Votre ange gardien vous dit action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà, donc on vous encourage vraiment à passer à l'action, à vous jeter à l'eau par rapport à quelque chose que vous avez envie d'être ou de faire et qui peut être totalement nouveau dans vos énergies. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? De quelle situation est-ce qu'on veut nous parler ici pour vous? On a la 2 de bâton. Donc, on voit ici que vous êtes en attente, peut-être par rapport à un projet. Vous êtes peut-être encore dans une insatisfaction par rapport à quelque chose. On a aussi la 2 de coupe. Alors, ça peut être par rapport à un partenariat. Alors, au niveau professionnel, on nous parle d'une relation. Une relation avec qui pourrait y avoir, peut-être avec qui pour l'instant il y a de la distance. Par rapport à ça, on vous parle de révélation de pardon. Donc là, on me parle d'un pardon. Il y a le chevalier d'épée, donc il y a la possibilité ici de retrouver de la communication par rapport à une personne qui était à distance de vous, qui était à l'étranger par rapport à vous. Vous n'êtes peut-être pas dans le même pays. Voilà, il peut y avoir cette énergie aussi. On me parle de ça. On me parle d'une situation comme ça qui pourrait réunir deux personnes qui étaient à distance ou qui n'étaient pas dans les mêmes fréquences vibratoires, qui n'étaient pas dans les mêmes encore objectifs de vie. Qui avaient du mal en fait à s'aligner peut-être ensemble, à se retrouver ensemble. Et là, j'ai l'impression qu'on me parle ici d'un pardon par rapport à ça et d'une possibilité de retrouvailles ou de rencontres justement par rapport
à cette personne. Donc là, on vous parle ici d'un choix. Vous avez besoin de faire un choix et on vous dit que vous avez besoin de passer à l'action. Donc on voit aussi que vous avez cette possibilité quand même d'accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités actuellement dans votre énergie. Et on vous dit pour ça, passez à l'action, laissez vos peurs de côté parce qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer. Là, on me parle de plusieurs domaines. Je vois que vraiment, il y a plusieurs domaines qui peuvent se débloquer, tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez besoin quand même, vous, de faire des choix, de vous positionner. Ça va être quelque chose d'important pour vous. On me dit que vous avez besoin quand même ici de détermination et de persévérance dans ce que vous entreprenez. Prenez parce qu'il y a des peurs à chaque fois qui peuvent vous ralentir, mais vous, vous devez vraiment percer en fait à chaque fois la lourdeur des émotions, la lourdeur de votre mental, la confusion, le brouillard en fait, le brouillard mental, etc., qui a tendance à arriver quand vous êtes en train de commencer à dépasser votre zone de confort. Et on vous dit vraiment de continuer, d'aller plus loin pour vraiment y voir beaucoup plus clair dans votre vie. Parce que là, il y a vraiment une dynamique où vous avez la possibilité vraiment d'accueillir des choses qui vont être très positives pour vous, qui sont destinées. Ici, on me parle quand même de rencontres destinées ou de croiser des chemins importants à l'heure actuelle qui vous permet de remettre en question pas mal de choses dans vos énergies et donc quelque part de pouvoir aussi accueillir ce qui vous est destiné ou ce que vous pouvez créer quand vous êtes vraiment aligné au divin, aligné à votre âme. Donc ça, c'est vraiment très positif, hein. Donc on vous dit vraiment de faire des actions en faveur de l'amour et aussi peut-être d'accepter de pardonner aussi par rapport à une personne avec qui vous avez été peut-être en conflit, avec qui vous avez été en séparation, avec qui il y a eu peut-être même de la colère, des disputes ou des choses comme ça. Ici, on voit qu'il y a la possibilité vraiment de résoudre quelque chose ou en tous les cas de pardonner cette personne, d'avoir en tout cas des intentions d'amour, de pardon et de libération plutôt que de maintenir ici un combat, une lutte, une distance qui peut être inutile parce que vous avez quand même des choses à partager ensemble dans cette vie avec cette personne où on vous dit que si c'était vous avec vous-même que vous aviez tendance à vous séparer de vous, à vous séparer de vos émotions, on vous dit que vous allez pouvoir en fait recontacter votre être intérieur, recontacter vos émotions et ça va vous permettre aussi de vous réconcilier avec vous-même. Donc ça, c'est très important. On vous dit aussi, regardez, avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité, les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes. La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité. Elle l'excitation et l'aventure. Idéale pour les personnes créatives, elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Donc, ce qu'on vous dit, les amis, avec cette labradorite, c'est que vous avez besoin tout simplement plus de vous protéger sur le plan émotionnel parce que vous vous laissez envahir par les émotions, les sentiments, les pensées des autres, parce que vous avez des capacités de clairvoyance, des capacités médiumniques. Je pense que vous avez encore tendance à refouler, à ne pas reconnaître, à ne pas accepter, ce qui fait que du coup, vous vous laissez complètement épuiser énergétiquement par l'environnement, par les autres, par les lieux, ou alors vous ne faites pas de choix en ayant conscience que vous êtes médium ou que vous avez des capacités en tous les cas médiumniques, des dons psychiques ou que votre conscience spirituelle s'élève comme si vous n'en aviez pas assez conscience et que du coup vos choix sont encore en lien avec le passé. Et donc, on vous dit, vous avez besoin de vous protéger. Hein, ça va être quelque chose d'important. Donc, on vous dit vraiment, pour guérir cette situation, ça va être important justement d'accueillir le pardon, hein, d'être vraiment dans le pardon et d'être beaucoup plus aligné à qui vous êtes vraiment dans votre part spirituelle, parce que vous avez besoin d'affirmer quand même cette intuition, cette créativité ou de prendre conscience quand même de cet éveil spirituel qui est là, qui est présent dans votre vie et qui ne peut pas être nié en fait. Vous voyez, vous ne pouvez pas continuer à faire comme avant. Vous devez maintenant agir en conséquence, en prenant conscience qu'avec cet éveil, vous n'êtes plus la même personne et vous n'allez pas faire les mêmes actions. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici?
Alors, qu'est-ce qu'on a avec Ganesh? Appartenance. Alors, on vous pousse ici à prendre conscience que vous appartenez justement à la lignée peut-être des médiums. Hein. C'est quelque chose d'important peut-être que vous avez besoin de reconnaître. Et c'est ça qui va guérir beaucoup de choses dans votre vie. Si vous avez encore des difficultés sur le plan sentimental, sur le plan social, amical, je sens qu'il y a beaucoup de choses quand même sur le plan relationnel qui peut avoir tendance à bloquer. Sauf quand vous fuyez vos émotions, là, ça va parce que soit vous portez un masque, soit vous coupez du monde, vous coupez des autres, donc ça passe, ça va. Mais dès que vous re-rentrez dans vos sentiments, vos émotions, dans le cœur, là, de nouveau, ça bloque parce que vous n'arrivez pas à accepter peut-être vos dons et votre potentiel en fait spirituel. Et si vous l'acceptez, si vous prenez conscience que vous appartenez vraiment à la lignée des médiums, eh bien, vous allez pouvoir transformer beaucoup de choses dans votre vie. C'est-à-dire que les choses vont être beaucoup plus claires et beaucoup plus limpides, beaucoup plus fluides et beaucoup plus apaisées. Et vous allez enfin pouvoir attirer à vous des personnes qui vont vous comprendre, qui vous correspondent ou avec qui vous allez pouvoir créer et construire au long terme. Parce que je sens que c'est quelque chose que vous désirez, mais qui à chaque fois en fait bloque dans vos énergies. Donc là, vous avez vraiment la possibilité d'accueillir ça grâce à ça, grâce à la prise de conscience de vos dons de guérisseur aussi, hein, guérisseur, guérisseuse, médium, voilà, dans tous les cas, c'est une ouverture des capacités spirituelles, ouverture des capacités extrasensorielles, la capacité à voir au-delà de l'illusion, au-delà de l'ego, au-delà du masque, recevoir des messages, des guidances de l'invisible, avoir la capacité à communiquer avec l'invisible. Tout le monde est capable, mais peut-être que vous avez déjà travaillé sur ça dans des vies antérieures. Et c'est vraiment important que vous en preniez conscience, les amis. Parce que c'est en partant de ça que peut-être tout va se débloquer par la suite, hein. Alors, les questions. Alors, on vous parle du chakra du cœur et chakra du plexus solaire. Vous voyez donc vraiment le pardon, hein, qui ressort. Et puis aussi cette idée de prendre confiance en vous. Regardez, si j'étais consciente ou conscient à 100% de mes super pouvoirs, qui serais-je aujourd'hui? Voyez, donc vous prenez pas assez en considération vos pouvoirs spirituels, vos dons de Dieu, de l'univers, de la source. Vous prenez pas assez conscience du pouvoir du divin en vous et qui est en chaque être vivant. Et du coup, ça éteint un peu votre lumière, ça vous met à distance de votre ligne, de votre alignement, ça vous met à distance de votre chemin lumineux, celui qui vous apportera le bonheur, la joie et l'épanouissement le plus total. Donc c'est assez dommage. On vous dit je ne sauve pas le monde comme les X-Men, mais je tape peut-être très vite sur un clavier, ou j'écoute trois conversations en même temps. Bravo, je reconnais ces capacités comme étant des super pouvoirs. En incarnant ce que je suis, je deviens une invitation pour les autres. Voyez? Donc très très positif les amis, hein. On vous attend quelque part, hein. Si je fais ce choix, comment sera ma vie dans 5 ans, 10 ans ou 100 ans? Voyez, on vous invite vraiment à vous projeter très loin dans la vie pour prendre conscience des choix que vous faites qui ont un impact dans le futur et même au-delà de votre mort physique, etc. Et donc prenez conscience de qu'est-ce que ce choix vous apportera. Donc c'est le moment de laisser ma bouée de côté et de me lancer. Voyez, ça ressort encore, hein. Vous avez besoin de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans un nouveau cycle, dans une nouvelle dynamique, hein. Ça, c'est quelque chose aussi qui va. Le fait de dépasser vos peurs, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, faire quelque chose pour la première fois, même si c'est inconfortable, c'est ça qui va vous aider, les amis, hein, qui va vous guérir. Retourner en son cœur, voilà. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées et je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Donc voilà, on vous dit vraiment, lâchez un peu votre ego qui effectivement vous sécurise, mais vous allez voir que vous allez trouver une sécurité bien plus importante, bien plus puissante, une protection même, hein, puisqu'ici nous avons la labradorite, pardon, qui nous parle énormément de protection aussi. On vous dit, vous allez trouver une protection bien plus grande dans le cœur que dans le mental en fait. Le mental, lui, vous sécurise jusqu'à une certaine limite. Le cœur, lui, c'est à l'infini. Donc vraiment, on vous pousse
vraiment à accueillir cette protection divine et donc être dans cet amour inconditionnel et rester le cœur ouvert plutôt que de fermer votre cœur pour vous sécuriser. Parce qu'à un moment donné, ça vous ramène toujours aux mêmes problématiques, au même schéma. Voyez? Donc vraiment, libérez-vous de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? La compassion. La compassion qui peut vous aider également à guérir. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Très positif. Donc la compassion aussi envers vous, mais aussi envers les autres, vont pouvoir guérir beaucoup de situations de votre vie. Et quelle est la pierre? Regardez, vous avez la pierre de lune. Vision, acceptation et réconfort. La pierre de lune est la pierre des voyageurs, qu'elle protège en particulier la nuit ou en mer. Elle a une influence extraordinaire sur la capacité à faire face à l'imprévu avec souplesse et philosophie. Base solide pour suivre ses rythmes naturels, la pierre de lune vibre d'une énergie féminine, adoucit le cœur et laisse circuler l'énergie. Les guérisseurs l'utilisent également pour soigner les déséquilibres féminins associés à la fertilité, aux règles, à la ménopause et à la grossesse. Voilà, donc voyez si ça résonne en vous. Peut-être que vous êtes en voyage, peut-être que vous êtes une femme et que vous avez des problèmes liés à la féminité. Peut-être que vous avez du mal à vous relier au rythme naturel de la vie et que vous êtes trop stressée par le temps. Utilisez la pierre de lune ou inspirez-vous en tout cas de ces messages pour pouvoir vraiment changer votre vie. Et surtout, faire preuve de souplesse par rapport à l'inconnu, à l'imprévu. Parce que là, vraiment, le message qui ressort, c'est sortir de sa zone de confort, qui va être vraiment important pour vous. Voilà, les amis. Donc, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. Ah, attendez, les amis. Je voulais vous faire aussi un petit message des runes, pardon. Alors, le petit conseil des runes. Quelle rune ici vous aide à guérir? Alors. C'est Inguz. Inguz. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va voir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, Inguz? Je vais la trouver. Alors, c'est la signification, c'est entrée. Assurance de soi. Voilà. Donc, la protection, vous voyez, elle vous apporte la protection. Alors, c'est une forteresse, ok, défendue de chaque côté par une tour, garde l'entrée de la construction. Donc, cette carte représente aussi bien un refuge dans le sens physique du terme que l'accès à une dimension plus élevée et plus spirituelle. Inguz nous rend disciplinés et nous aide à nous épanouir. Donc, on vous pousse ici peut-être à avoir une discipline qui va vous permettre de vous élever spirituellement et peut-être de sortir justement du confort, des habitudes qui peuvent être malsaines, qui peuvent être liées à l'ego et qui vous maintient toujours dans une sécurité, mais aussi une fermeture du cœur. Donc là, c'est vraiment aller vers une discipline qui, une discipline, pardon, au quotidien, en fait, qui va vous permettre constamment d'être dans une ouverture du cœur. Et dans le pardon, dans l'amour, dans la douceur, dans la force aussi, et aussi dans l'ouverture du coup de vos capacités et dans l'affirmation de ces capacités et de cette intuition. Voilà les amis, donc cette fois-ci je vous fais vraiment de gros 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 bisous et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao! C'est parti les amis, on continue avec ceux qui ont choisi l'aigle marine pour la team number 2. Alors, c'est parti, on y va. Quels sont les messages pour vous? La prière, déjà on a une prière, donc on vous invite déjà à vous connecter à votre ange gardien. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc on vous dit surtout, hein, gardez une connexion forte à votre ange gardien pour pouvoir vraiment évoluer actuellement et guérir votre situation. Alors, on va demander au tarot par rapport à votre situation. Vous avez peut-être le désir de réaliser des rêves ici. Il y a des rêves ici qui sont encore, on va dire, inachevés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Oh! On a la lune.
Voilà, donc on me parle de créativité. Il y a beaucoup de créativité dans vos énergies. Il y a beaucoup d'inspiration, mais il y a aussi du coup beaucoup d'angoisse et de peur. Vous avez pas mal de peur dans vos énergies, du stress et des angoisses peut-être au quotidien ou des inquiétudes avant d'aller vous coucher, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, on a la 5 de bâton, on voit que vous avez des challenges actuellement. Peut-être vous avez des examens, vous avez des études, vous avez des initiations en ce moment qui sont assez éprouvantes, qui sont assez challengeantes. Vous avez peut-être aussi des choses à régler qui sont assez, comment dire, qui sont assez difficiles en fait, hein. Vous avez du mal à garder une force au quotidien, une énergie au quotidien. On a l'impératrice ici, donc on voit qu'il y a beaucoup de fertilité, de croissance. Là, vous avez beaucoup d'idées, même peut-être une part artistique ici qui demande à s'exprimer de façon importante. Vous avez beaucoup, beaucoup de créativité, d'énergie, d'inspiration, ça c'est évident. Beaucoup de choses qui viennent dans votre esprit. Vous êtes quelqu'un d'assez spirituel dans vos énergies, ou en tout cas avec une grande capacité mentale de pouvoir analyser les choses, de pouvoir étudier les choses. Enfin, vous aimez plonger dans l'univers du mental, l'univers spirituel, et surtout nourrir votre esprit avec des livres, avec des connaissances, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, mais j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de vous faire confiance par rapport à ce que vous aimeriez mettre en place. Parce que moi, je vois que vous avez des idées, vous avez même peut-être des projets, mais vous avez du mal peut-être à les réaliser. Alors, pourquoi vous avez du mal à réaliser ces projets? On peut me parler de dépendance sur le plan matériel, sur le plan... Ça peut être une dépendance liée à la mer, hein. On me parle peut-être de ça. Voilà, la tour. Donc, il y a besoin ici de vous séparer justement du lien... Enfin, comment dire? Attention. De vous séparer, si vous voulez, de la dépendance que vous pouvez avoir avec l'autre. Alors, la dépendance sur le plan maternel, c'est-à-dire que vous attendez... que ça vienne de l'extérieur, vous attendez que ça vienne des autres, vous attendez qu'on fasse peut-être les choses à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ce qui se passe quand on est bébé, en tous les cas. La mère et les parents, de façon générale, font ce que nous, on ne peut pas faire parce qu'on est dépendant d'eux, parce qu'on n'est pas encore du tout autonome, pour manger, pour marcher, pour penser, pour etc., etc. Pour être responsable. Donc forcément, on s'occupe de nous. Et donc là, il y a vraiment besoin de couper, si vous voulez, le cordon par rapport à ça, parce qu'il y a encore, je pense, des schémas inconscients reliés à l'enfance qui du coup se perpétuent actuellement dans votre vie et qui vous empêchent peut-être de réaliser certains rêves, de vous connecter aussi tout simplement à votre propre créativité et votre propre lumière intérieure. Donc à vous faire confiance aussi, hein, à savoir vraiment être une protection pour vous, être aussi un pilier pour vous et être quelqu'un de confiance pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a besoin quand même d'apaiser pas mal. Alors vous pouvez vous aider vraiment de l'aigle marine, mais moi ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin d'apaiser vos angoisses. Alors ça peut passer par l'expression des émotions, le fait vraiment de verbaliser, de dire les choses, de vous vraiment d'exprimer en fait ce qui se passe dans dans votre inconscient, parce qu'avec la lune, on voit qu'il y a pas mal de choses inconscientes qui agissent encore dans votre vie à votre sans que vous puissiez avoir comme un pouvoir dessus. Et donc il y a besoin de retrouver quand même le pouvoir par rapport à ça, parce que à chaque fois il y a des émotions ou des schémas inconscients qui prennent le dessus. Donc c'est ça qu'il faut vraiment libérer. Donc déjà connectez-vous beaucoup plus à votre ange gardien. Ça va énormément vous aider. Donc on vous pousse ici à prier au lieu de vous inquiéter, parce que la 9 d'épée ici me dit que vous avez tendance à vous inquiétez beaucoup par rapport à votre avenir, par rapport à ce que vous êtes, ce que vous pourriez faire. C'est comme si vous aviez, vous sentez au fond de vous que vous avez plein de possibilités ou que vous êtes incapable de vous, comment dire, de vous adapter en fait à ce monde actuel qui ne vous correspond pas du tout, que vous avez vraiment une autre vision des choses, que vous aimeriez faire des choses qui sont bien plus importantes, même vous aimeriez peut-être avoir du succès, de la réussite dans quelque chose. Mais c'est pas encore, il y a encore beaucoup de confusion, c'est pas encore clair, vous savez, c'est comme si la voie n'était pas encore complètement tracée.
Parce qu'on voit que c'est vraiment des peurs, comme le fait d'avoir peur du noir qui vous retient encore. Il y a un peu des énergies comme ça. Donc il y a vraiment besoin vraiment que vous trouviez le calme par rapport à votre mental. Parce que du coup, vous avez tendance, je pense, à surcharger votre mental et à pas assez accueillir cette part féminine, comme si votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, est un peu trop déséquilibré. Hein, il est un peu trop dans le stress, dans les peurs, dans l'inquiétude. Et donc, il n'y a pas assez de masculin dans votre énergie. Donc, il y a besoin vraiment de rééquilibrer un peu tout ça. Parce que vous avez besoin de retrouver, voyez, du calme et du courage. Donc, ça, c'est des énergies masculines, voilà, qui posent les choses et qui viennent un peu rassurer votre part féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre part masculine a besoin de rassurer votre part féminine à l'intérieur de vous. Je ne parle pas de couple là. Je parle vraiment de vous avec vous-même. Et donc, vous avez besoin de trouver plus de votre côté solaire, votre part solaire. Ça aussi, ça va vous aider. Donc, quelque part, vous avez besoin aussi de vous affirmer un peu, affirmer votre personnalité. Hein, oser dire non, oser dire ce que vous pensez, oser montrer votre beauté intérieure, de quoi vous êtes capable, oser affirmer que vous avez droit à l'abondance, que vous êtes légitime. Voyez, vous positionner tout simplement. Il y a vraiment cette notion-là. Parce que ça, parce que vous avez tendance en fait à beaucoup à vous comparer aux autres. Et en fait, vous mettez en arrière, enfin vous mettez en retrait parce qu'il y a encore cette comparaison aux autres qui vous bloque. Mais c'est vraiment quelque chose de très intérieur, hein, pas quelque chose qui se voit forcément, mais pourtant qui est là et qui peut vous bloquer. Donc tout ça demande vraiment à se libérer. Donc là, on voit qu'il peut y avoir vraiment des déblocages assez importants, assez radicaux, tout simplement parce que vous décidez vraiment de couper net avec ce qui ne vous correspond plus, et puis surtout voilà, de bouleverser un peu les choses et retrouver un peu l'ordre divin, hein, dans le sens où vous arrêtez en fait, de gâcher votre vie pour les autres, pour plaire aux autres, pour satisfaire les besoins des autres. Vous voyez, il y a toute cette énergie aussi qui ressort. Là, vous avez besoin vraiment de sortir des attentes qu'on a de vous, etc., etc., et faire votre propre chemin. Qu'importe quel est le chemin, en fait, vous avez besoin d'aller dans votre chemin pour que vous puissiez retrouver plus cette part solaire, cette part chaleureuse qui est en vous, mais qui a tendance à se réduire, peut-être en ce moment ou depuis longtemps. Là, parce que vous cherchez, je pense, parce que c'est parce que vous cherchez votre voie et vous cherchez à devenir peut-être aussi indépendant sur le plan matériel, par exemple, ou des choses comme ça, ou en tout cas à trouver votre propre truc à vous. Et du coup, c'est important que vous fassiez confiance en fait par rapport à ce que. Parce qu'il y a beaucoup de fertilité, il y a beaucoup de choses très riches. Vous êtes très riche à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre âme. Et c'est important maintenant que vous assumiez en fait toute cette richesse intérieure et que vous en fassiez quelque chose. Quitte à ce que ça déplaise aux autres, quitte à ce que ça fasse bizarre aux autres, quitte à ce que voilà, ça vous perturbe même à vous aussi, voilà, quitte à ce que ça vienne chambouler un peu l'image que vous aviez de vous, on vient vraiment ici vous aider à lâcher tout cet inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Ganesh qui vous parle de raffinement. Vous voyez, on vous dit que vous avez besoin, vous, c'est quelque chose d'important, d'être dans des énergies plus subtiles, avec l'art, tout simplement. Vous avez une affinité avec l'art, qui vous aiderait aussi, tout simplement, à mieux gérer votre vie et à libérer vos émotions. Vous avez des énergies extrêmement sensibles, enfin, vous êtes très très sensible, très à l'écoute du subtil et capable de capter énormément d'informations en même temps. Vous aimez le beau aussi, vous aimez la beauté, vous aimez l'art, vous aimez les choses qui sont même peut-être de luxe, etc. et qui sont raffinées. Qui sont élégantes, etc. Et on vous dit vraiment de mettre en avant tout ça ou d'assumer cette part de vous parce que ça va vous aider aussi à apprécier votre vie, ça va vous aider aussi à vous élever vers de nouvelles perspectives ou rencontrer des personnes qui sont comme vous, sortir aussi peut-être du jugement ou de l'autocritique, hein. Donc on vous parle aussi de la musique, hein, qui peut être très important et qui peut vous aider. Par exemple, des fréquences, des mantras, des fréquences vibratoires, la thérapie avec du son qui peut vraiment, les bols en cristal par exemple, qui peuvent vraiment vous aider
aussi à vous apaiser, à trouver la force et le courage de dépasser ces schémas récurrents, ces schémas inconscients, à couper aussi avec la dépendance affective. Vraiment, il y a cette notion-là qui ressort, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra racine et le chakra de la couronne. Et on a le chakra racine. Donc, deux fois le chakra racine. Hein. Vous avez besoin d'ancrage parce que vous êtes trop dans vos pensées, des pensées qui peuvent être un peu trop négatives et destructrices. Hein. On vous pousse à rééquilibrer un peu vos énergies, à sortir du mental et à vous réancrer dans la terre. Parce que vous avez tendance à trop penser, parce que vous vous inquiétez trop, parce que vous vous surchargez sur le plan mental, parce que vous essayez de gérer vos émotions. Donc là, on vous dit surtout accueillez cette sensibilité et créez votre propre espace en fait. Créez votre espace qui vous correspond au lieu d'essayer de vous adapter à un espace qui ne vous correspond pas. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Donc comment faire pour lâcher prise? Pas toujours évident de prendre du recul lorsque j'ai la tête à l'envers. Il s'agirait que j'accepte de ne pas avoir de solution pour me remettre sur pied. Vous voyez? Donc arrêtez de chercher absolument une solution dans votre tête. Lâchez prise. Voilà, ça c'est la meilleure chose à faire. Comment activer le chakra racine? Pour activer ma compréhension du jet, mon enracinement, je porte un vêtement de couleur rouge. Voyez? Donc par exemple, alors manger des fruits rouges, des fruits et des légumes rouges par exemple, des choses comme ça qui peuvent vous aider à vous enraciner. Quelles sont mes prises de conscience aujourd'hui? Lorsque je sème une graine de conscience, je m'en remets à l'univers. Il me répond à sa manière et je reste attentif au message. Vous voyez, donc on vous dit vraiment de prier, de demander, mais aussi de recevoir. Parce que je pense que vous avez quand même, vous avez tendance enfin, vous avez une affinité avec la prière et le fait de demander à l'univers, aux anges, aux dieux, à votre ange gardien, etc. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à recevoir peut-être le message. Hein. Donc on vous dit, c'est important voilà, de peut-être tenir un cahier, par exemple, si vous avez encore du mal pour recevoir les messages, tenir un cahier pour prendre conscience de tout ce qui s'est passé dans la journée, pour voir où étaient les messages subtils, faire le tri, voyez, faire du tri dans votre mental pour reconnaître là où il y a les messages divins, là où il y a vos pensées, là où il y a vos émotions, vos sentiments, etc. Et juste tout mettre au clair, peut-être grâce à l'écriture, le fait de tenir un cahier. Si ça vous parle, bien évidemment. Le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Ben voilà. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Bon, ça résume exactement tout ce que je viens de vous dire. Mais on vous dit vraiment de développer vos richesses hein, et surtout le positivisme et l'acceptation. Voyez, on vous dit d'être dans votre énergie masculine hein, qui aide à équilibrer votre énergie féminine. Alors, on a un autre. Alors, on a le saphir. Waouh! Regardez, sagesse, spiritualité et calme. C'est trop beau. Pierre de la sagesse terrestre et spirituelle, le saphir peut résoudre des problèmes de communication car il aide à se connaître, à exprimer plus clairement ses pensées et à comprendre ce que les autres essaient de dire. Le saphir favorise la confiance en soi en donnant la capacité de prendre fermement position. Voyez? Donc, il vous poussera à chercher la vérité et à la révéler. Sa douce couleur bleue soulage les tensions et apaise les esprits hyperactifs. Mais c'est vraiment pour vous, les amis. Enfin, c'est incroyable. Donc, utilisez le saphir ou inspirez-vous des messages du saphir. Mais vraiment, je vous conseille parce que si ça vous parle, c'est vraiment ce qui vous correspond, quoi. Tout y est, hein, les esprits hyperactifs, parce que vous avez beaucoup de créativité, en fait. Et donc, vous avez besoin aussi de mettre en pratique cette hyperactivité pour que vous trouviez le calme, pour que vous soyez épanoui en fait dans vos énergies. Hein. Et on vous dit aussi de vous affirmer, hein, c'est vraiment très très important, et exprimer clairement vos pensées. Alors, message, regardez, on a les rêves. Vous avez sûrement des rêves qui vous guident aussi, hein, ou qui sont très 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 parlants. Écrivez peut-être vos rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Voyez, la pureté de ton regard. Ah non, surtout ne vous laissez pas influencer par les pensées
des autres, les visions des autres, parce que vous avez votre propre vision du monde qui peut être vraiment une inspiration pour les autres. Donc surtout, ne refoulez pas ça. Message d'une rune. Alors, quelle rune vient vous aider? Wunjo. Alors, qu'est-ce que veut vous dire Wunjo? Alors, je la cherche. Wunjo. La joie. C'est la carte de la joie. C'est la rune de la joie. Union, couple et sérénité. Le mot-clé, le lien. Voilà. Donc, sortez des dépendances affectives aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça va favoriser les unions, le couple. Et le couple serein, le couple calme. Et pas le couple agité ou dans la compensation permanente. Parce qu'il y a de la dépendance affective. Alors, il est très important de cultiver des liens solides et sincères car ils représentent la base de notre vie. Wunjo nous aide à trouver l'équilibre dans les rapports sentimentaux et en famille. Voilà les amis, donc j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Oui, c'est parti, on termine avec ceux qui ont choisi l'œil de tigre, la team number 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une prière, on adore, donc on vous invite à prier vraiment avec votre ange gardien. Donc, cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, de l'aide angélique, de l'aide à votre ange gardien, à vos guides. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal peut-être à trouver l'équilibre dans quelque chose, dans un domaine de votre vie. Et que vous vous sentez seul et abandonné dans cette situation. On peut ressentir aussi peut-être de la fatigue, de la fatigue spirituelle par rapport à ça. Alors, on a la grande prêtresse. Waouh ! Des secrets et des révélations qui sont là, qui sont possibles pour vous. On a le chevalier de bâton. Alors, on vous dit que vous avez une mission, en fait. Hein. Oula ! Vous avez une mission dans votre vie. On vous parle d'une mission que vous avez besoin d'accomplir, de quelque chose qui est encore peut-être caché, qui ne vous est pas encore révélé, ou c'est quelque chose qui vous a été révélé, mais que vous n'avez pas encore peut-être tout compris, tout saisi. Pour moi, vous avez encore besoin d'ouvrir de nouvelles perspectives, mais là, il y a quelque chose ici qui peut fleurir, quelque chose de très créatif qui peut fleurir, mais qui vous demande bien évidemment de vous concentrer et d'être vraiment dans la concentration, la motivation, la persévérance pour atteindre un objectif, pour atteindre un but. On voit ici qu'il y a eu quand même des blocages sur le plan relationnel ou des blocages par rapport à, aux personnes autour de vous, à votre entourage, des personnes avec qui vous habitez, des personnes dans votre foyer, des personnes de votre famille, des amitiés, enfin des personnes avec qui vous êtes liés, mais qui ne sont pas dans la même dynamique que vous. Hein. Il peut y avoir cette énergie, vous ne vous sentez pas en accord avec ces personnes-là. Alors, du coup, vous avez la 9 d'épée, donc ça, c'est quelque chose qui peut vous isoler, en fait, parce que vous n'êtes pas connecté avec les bonnes personnes, hein, j'ai vraiment ce ressenti. Et la 5 de pentacle, il peut y avoir des difficultés, peut-être pour vous, sur le plan de la santé ou sur le plan matériel, où vous n'avez pas encore ce que vous voulez vraiment, peut-être, vous n'habitez pas là où vous souhaitez, vous n'êtes pas encore avec les bonnes personnes, vous avez encore des soucis sur le plan financier, etc. Il y a des énergies comme ça qui ressortent et qui font que
J'ai l'impression que ça vous épuise en fait au niveau du moral, même au niveau physique, vous pouvez vous sentir épuisé. Pourtant, vous avez une grande sagesse à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose ici de fort au niveau spirituel qui se dégage de votre énergie. Mais c'est comme si vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes et que vous avez besoin de vous détacher justement de ces personnes-là parce que ça vous éloigne de votre objectif ou ça ne vous aide pas à évoluer. Au contraire, ça vous draine énergétiquement, ça vous épuise. C'est vraiment, je pense, par rapport au lieu, peut-être où vous êtes, peut-être l'habitation, peut-être la ville ou voilà, peut-être le pays. Enfin, il y a vraiment cette notion où vous n'avez pas l'impression d'être dans le meilleur cocon, le meilleur endroit pour vous enraciner et fleurir telle une fleur complètement épanouie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous êtes encore en train de chercher votre place, ou peut-être que vous savez déjà, enfin je veux dire votre place sur Terre, dans le sens où il y a des endroits qui vont être favorables en fait à votre épanouissement et des endroits qui vont l'être moins en fait. Et donc il y a aussi du coup un environnement social, amical et familial et sentimental, bien évidemment, qui va vous être favorable, et d'autres qui vont ne pas vous être favorables par rapport à cette mission de vie, par rapport à ces objectifs divins d'élévation et d'évolution spirituelle que vous avez. Donc, pardon, là, ce que je vois, c'est que vous avez besoin vraiment de faire confiance à cette mission de vie que vous avez. Peut-être que vous avez déjà commencé, que vous avez ou que vous y voyez quand même assez clair par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, mais vous n'arrivez pas à trouver de solution peut-être pour changer votre environnement, etc. Vous êtes encore bloqué par rapport à ça. Ou alors, ça peut être que vous n'avez pas encore compris quel était votre sens de votre venue sur Terre. Enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Quelle est votre place sur Terre? Quelle est votre mission de vie? Parce que vous êtes très lié ou très entouré de personnes qui ne sont pas dans une démarche spirituelle. Ce n'est pas des mauvaises personnes, c'est juste qu'elles ne sont pas du tout dans les mêmes intentions et les mêmes dynamiques que vous. Donc forcément, ça vient vous influencer au quotidien. Vous êtes en lien permanent avec ces personnes. Hein, donc vous voyez ce qui résonne en vous, mais je ressens ça. Donc par rapport à ça, ça vous éloigne vraiment aussi de votre propre abondance. Donc là, pour moi, ce qui va être important, puis l'œil du tigre, hein, nous parle vraiment de protection quand on est drainé énergétiquement. Donc vous avez besoin quand même ici de vous protéger justement de l'extérieur qui peut ne pas être favorable pour votre croissance spirituelle, voyez, et pour votre réussite, pour votre prospérité. Voyez, donc vous avez besoin de vraiment trouver l'endroit qui est favorable à votre propre prospérité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit quoi? N'est-ce pas un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue? Donc, on a le chakra de la couronne. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi parce que personne n'a jamais vraiment tort, on a juste un point de vue différent. Tout est juste, la conscience ne juge rien et inclut tout. Donc, là, ce qu'on vous dit avec ça, c'est peut-être aussi arrêter d'essayer de convaincre les autres ou de vouloir prouver que vous êtes différent, que vous avez. Que vous êtes quelqu'un de bien ou que vous êtes différent, que vous avez quelque chose d'autre que les autres ou quelque chose de plus ou je ne sais trop quoi. Juste lâchez prise et vous allez voir qu'en fait vous n'allez plus avoir besoin d'avoir ces personnes autour de vous parce que vous allez justement accepter leur point de vue et donc vous allez accepter le vôtre aussi et du coup l'affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le chakra de la couronne et le chakra sacré. Que ferais-je s'il n'y avait pas de jugement? Ah bah décidément, il faut sortir des jugements peut-être ici. Hein. Ça c'est quelque chose d'important. Si vous sortez des jugements que vous avez envers vous-même ou envers les autres, ça va peut-être transformer aussi votre vie hein, ou guérir la situation. Hein. On pense souvent être critiqué ou jugé sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait. Je me détache des croyances du bien et du mal, du bon et du mauvais. Je lâche prise pour être totalement moi-même. Vous voyez donc là, vous avez peur des critiques et des jugements des autres ou vous essayez en tous les cas de paraître bien aux yeux des autres par rapport à leurs propres croyances, par rapport à leur propre vision du monde. Donc vous vous effacez pour convaincre que oui, vous êtes quelqu'un de bien parce que vous êtes quelqu'un de bien en rapport avec leur système de bien ou de mal. Et donc, vous essayez de rentrer dans les cases de ça, de leur propre système à eux, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal.
Donc, on vous dit vraiment de lâcher tout ça pour être tout simplement vous-même, pour être authentique. Il y a vraiment cette notion d'authenticité qui est importante, peut-être par rapport pendant une période là justement de troubles, de difficultés. Peut-être que vous avez quand même un peu des épreuves dans votre vie actuellement. C'est pas totalement la sérénité, mais là, c'est le bon moment justement pour être authentique et d'arrêter de vouloir rentrer dans des cases qui ne vous épanouiront pas. Alors, Ganesh vous parle de nouveau départ. Donc, il vous pousse aussi, lui, il vous invite vraiment à, voilà, à recommencer à zéro ou à partir dans une nouvelle direction, à prendre un nouveau chemin, voilà, à être avec de nouvelles bases, de nouvelles énergies et recommencer avec de nouvelles énergies. Donc, ça, c'est très, très positif. Amour de soi, voilà, les bases dans lesquelles vous devez vous mettre, sortir du jugement, de l'autocritique, etc., et du fait aussi de juger les autres. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Donc vraiment, le plus important pour vous, c'est amour de soi qui va vous permettre justement de quitter un environnement qui ne vous correspond pas pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Vous allez pouvoir être vous-même enfin et sortir de la fréquence du jugement, en fait, hein, qui ne vous correspond plus non plus. C'est-à-dire que peut-être à une période de votre vie, vous aviez tendance à juger ou vous ne voyez pas où c'était vraiment négatif. Et là, vous ressentez tellement la négativité du jugement, puis l'inutilité aussi du jugement que vous n'êtes plus du tout dans cette démarche-là, vous n'êtes plus du tout dans cette dynamique, ça ne vous parle plus, vous avez grandi et donc du coup, vous avez besoin de vous aligner à des personnes qui sont aussi comme ça, sinon vous allez réduire votre énergie encore et encore. Vous avez le cristal de roche, limpidité, purification et rétablissement. Vous voyez, vous avez besoin de rétablir vos énergies, vous avez besoin de vous ressourcer aussi parce que je pense que vous êtes épuisé. Épuisé, c'est un peu un épuisement un peu chronique parce que vous enchaînez pas mal les choses, parce que vous avez des difficultés, etc., etc. Donc là, peut-être parce que vous avez eu un éveil, vous avez eu beaucoup de transformations déjà dans votre vie. Donc là, on vous pousse aussi à vous ressourcer aussi de façon importante. Et vous allez voir qu'avec le cristal de roche, vous aurez plus de clarté d'esprit et vous arriveriez mieux à purifier les énergies qui ne vous correspondent pas et y voir rapidement beaucoup plus clair au lieu de vous engouffrer dans des trucs qui ne sont pas pour vous, tout simplement parce que vous avez du mal à chaque fois à vous purifier. Okay? Ou à vous protéger. Le cristal de roche ou quartz incolore est une pierre idéale pour les débutants, car elle est incroyablement versatile et bénéfique dans de nombreux domaines. Ce minéral transforme les énergies négatives et baigne son porteur et tout ce qui l'entoure d'une énergie positive. Détoxifiant physique et émotionnel, le cristal de roche dissipe les blocages énergétiques et rétablit l'équilibre du corps et de l'esprit. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses, des démarches à faire pour rétablir aussi votre santé physique ou améliorer. Par exemple, votre alimentation, votre hygiène de vie, parce que je pense que ça influence aussi pas mal votre état, votre humeur, vos émotions, et puisque vos actions en fait. Hein. Donc vraiment prêtez attention aussi à ça, je pense que c'est quelque chose qui va être important pour votre évolution. Ici, on a le joyau, autre message de votre ange gardien. Chaque événement de votre vie, de notre vie, pardon, nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Voilà, donc vraiment libéré par les pleurs aussi si c'est nécessaire pour vraiment être dans l'amour et ne pas vous, comment dire, aussi inspirer les autres, mais ne pas vous oublier parce que les autres ne sont pas dans l'amour. Voyez, n'essayez pas aussi de vous lier avec des personnes qui ne sont pas dans l'amour parce que vous allez perdre du temps, honnêtement. Parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à vouloir changer les autres, hein, un peu parce que vous avez, alors que ce que vous avez à faire, c'est plutôt partir, changer d'environnement pour être vous-même, au lieu de vouloir changer les autres pour qu'ils soient comme vous. Voyez? Waouh, vous avez notice. Alors, on nous parle du temps. Alors, vous avez cette rune aussi qui souhaite vous aider. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire comme message? Alors, la nécessité.
Loi inaltérable, destin, nécessité. Voilà. Donc on vous dit qu'il y a des choses aussi qui sont dont vous ne pourrez pas éviter. C'est-à-dire que qu'importe le chemin que vous prenez, vous allez toujours revenir en fait. Vous allez toujours arriver là où vous devez arriver. Donc vraiment choisissez votre chemin. Choisissez vraiment le chemin le plus calme, le plus lumineux, le plus prospère et le plus équilibré par rapport à ça. Alors, le mot-clé, c'est le temps. Hein, donc, on vous parle aussi du temps qui va aussi réparer les choses, du temps qui va vous permettre aussi de vous rééquilibrer. Peut-être que votre patience va énormément payer. Nous devons accepter notre destin. La discipline et le sens du devoir seront nos alliés. Notice nous rend disciplinés et concentrés, excellente pour les études. Voilà. Donc, les amis, voilà le message. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!